Et voilà les amis, ça fait plaisir. Finalement, on a réussi à dropper Silas. La multi, je l'ai postée sur Twitter. Du coup, voilà, on en profite pour la poster également sur YouTube pour les personnes qui se poseraient la question. Oui, c'est vrai, la caméra elle arrive. Bonjour à tous les frérots, bonjour à tous les blanquettes. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, démonstration de Silas. Unité qui vient de Dragon Ball Heroes World Mission, disponible sur Switch et sur PC. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ce petit Silas? Alors tout d'abord, j'ai pas respecté parce que j'ai plus d'orbes les gars, voilà, j'ai plus rien. Je vais donner 10% de ce que j'ai resté, enfin de ce qu'il m'est resté, voilà. Mais bon, c'est pas grave, j'ai au moins débloqué le coup critique, 10% de chance du coup critique. Alors, qu'est-ce qu'il a sinon? Il a dégâts immenses quand il part en SP. Sinon en lead, j'ai oublié de parler de son lead qui est pas trop dégueulasse, hein, qui plus 3 et 70% pour la classe extrême. Attaque adepte plus 100% quand il part en spécial. Ki plus 1, attaque plus 20% pour la catégorie forme de vie artificielle. Ki plus 1 et attaque plus 20% pour la catégorie allié, enfin voyageur du temps, pardon. Et quand les conditions sont réunies, se transforme en Sephiroth. Ce bout de 5 tours sans la moindre restriction au niveau des PV, etc. Et une fois transformé, en fait, il est plus pareil. En fait, le côté support qu'il avait, bah, on le perd. Alors. Pour les UT qui rentrent à la fois dans forme de vie artificielle et dans voyageur du temps, bah du coup ils bénéficiaient du double boost lié au passif de Silas forme de base. Du coup Silas forme de base, lui, donc il se donne au moins qui plus 2 et 40% de boost attaque plus attaque à elf quand il part en spécial. Et une fois transformé, il fait toujours des dégâts immenses, il diminue la défense, ce qui est un peu dommage comme type de passif je trouve. Donc il se donne désormais qui plus 3 et attaque à elf plus 60%. Tout de suite et attaque adepte plus 120% lors d'une spéciale, donc ça peut monter très 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 haut. C'est assez impressionnant ce qu'il a en termes de lien. Il a intello, ambition de conquête, boss, jugement serein, vitesse époustouflante, fonceur et briser la limite. Intello c'est 10%, ambition de conquête c'est 15%, boss c'est 25%, jugement serein c'est défense plus 20%, vitesse époustouflante c'est plus 2 et fonceur 10%. Donc si j'ai bien calculé, on peut au maximum se donner 60% avec les liens, ce qui est vraiment pas dégueu du tout. Malheureusement, il n'a pas de meilleure sauce qui lui permet d'activer une grande partie de ses liens. Du coup, voilà, j'ai fait une team autour de Silas. Hein. J'ai ramené Bojack parce qu'il a ambition de conquête et briser la limite. Mai a un Tello. Et voilà, c'est tout. Je pourrais pas activer Fonceur en plus. Il n'y a que Grid Salaman 3 et 4 qui possèdent ce lien dans la catégorie Voyageur du Temps. Mais bon, voilà, je peux pas, trouver une unité qui a à la fois un Tello et Fonceur. Et ambition de conquête, c'est un peu compliqué pour l'instant. Donc peut-être qu'un jour il y aura une unité qui va réunir tous ces liens. Donc ah oui, Bojack a aussi boss de film. Donc voilà, au moins quand les PV sont sur la barre des 25%, enfin des 80%, pardon, on va gagner un petit boost supplémentaire, boss de film, voilà qui est là. Donc voilà les amis, hein, c'est parti, on va faire, on va affronter Super Vous. Voilà, vu que le combat est très long, ça va nous permettre de nous transformer parce qu'en fait j'ai remarqué des boss rush. Le problème, c'est que l'adverse, enfin les différentes unités meurent très vite. Il faut qu'on fasse exprès de faire durer le combat pour que qu'on puisse tester les unités qui ont une mécanique de transformation. Alors vous avez dit, ouais, pourquoi tu te laisses pas en Goku Rush? Je vais attendre d'avoir un peu d'orbe, hein, avant de partir en Goku Rush, les amis, parce que 10% d'orbe, c'est comme si j'étais à poil. Hein. Je vais me faire soulever comme jamais. Et moi, j'ai envie de faire un test, au moins avec. Les 2000 points de stats récupérables avec, avec les armes. Donc niveau rotation, Bojack, Silas. Deuxième rotation, Rosé plus Black Goku. Et puis voilà, bon bah, les deux rotations sont faites. Et on a... Ah non, les rotations ne sont pas faites. Silas se trouve extrêmement loin. Bon, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que Silas... Bah du coup, on va dégager Rosé pour l'instant. Allez, on va dégager Rosé. Ne le prends pas mal, Rosé, mais... C'est pas qu'on a quelque chose contre toi, mais c'est juste que... Ah, cette rotation tombe mal. Du coup, tu vas rejoindre l'autre Black Goku. Donc, en position de support. En position de support, je vais utiliser Mai, qui a un Tello, qui donne Ki plus 2, je crois, plus attaque adepte plus 40% pour les voyageurs du temps. La catégorie voyageurs du temps n'arrête pas d'obtenir des petits ups, en fait. Depuis quelques mois... j'ai l'impression que Black Goku est sorti trop tôt sur la version japonaise. Parce que là, avec tout ce qui sort actuellement, voilà, la catégorie prend vraiment un gros up.
ce qui lui permet de rendre la catégorie beaucoup plus sexy, parce que de base, il y a à peu près 6, 7, 8 mois maintenant, c'était un peu flingué. Hein. Black Goku, franchement, était hyper décevant. Et là, maintenant, avec Gohasu et Zamasu en support, Mai en support, là, ça devient très intéressant. Mais on n'avait pas autant de support pour cette catégorie. Et même Trunks ZTVR. Donc Mai, ici, malheureusement, on va te mettre en position de soutien, comme prévu. Hein. Bojack, en fait, Bojack, j'ai besoin que tu rejoignes l'autre rotation. Oui. Bon, ça va demander un peu de temps, mais on va y arriver, les amis. On va essayer de donner un peu de petit pour Bojack. Bon, Buhan, vu qu'il a... il va se régénérer tout à l'heure, on va pas le tuer, je pense. En plus, il y a une énorme résistance. Mai, elle revient de très 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 loin, les amis. Bon, pendant que ça charge, comme d'habitude, hein, vous pouvez soutenir la chaîne en mettant un petit pouce bleu de soutien, ça marche pas de temps, pensez-y. Et puis, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines VOD et les prochaines séances de stream. On reprend les streams du lundi au vendredi et après, potentiellement le week-end, il y a une petite soirée bonus en plus. Ça dépend si j'arrive à trouver le temps. Et puis si vous voulez soutenir plus la chaîne, dans la description, il y a la petite badge du type, les amis. Et puis désolé encore si vous entendez la soufflerie. C'est soit ça, soit je clame. Hein, parce que là, je suis obligé de booster le ventilo et la climance au maximum. Parce que voilà, il va faire très très chaud. Pensez à vous hydrater, les amis. Parce que là, il va faire extrêmement chaud. Alors, Silas. Il s'auto-suffit, hein, il se donne qui plus 2 de base. Donc voilà, il s'auto-suffit, ça va, c'est pas très compliqué. Ici, il y a jugement serein, enfin, ouais, c'est ça, jugement serein, qui proc. Alors, il a que 24 000 de défense, c'est vrai que de base, il a très peu de valeur d'attaque, de défense, il a 3700. Par contre, en attaque, il a 9700, c'est à peu près la valeur d'attaque d'un Dokkenfest, les amis, d'un Dokkenfest de type... alors, pas leader de catégorie, mais plutôt d'un God tier ou d'un Neo God. Donc c'est pas mal du tout. Et en PV, 9600. Donc là, j'avoue qu'il est, il a très peu de PV. Mais en fait, il gagne 100% quand il part en SP. Donc là, pour l'instant, c'est un peu faiblard. 24 000. Et en plus, je ne l'ai pas donné des armes. Donc ça aussi, ça joue. Hein. Ça aussi, ça joue, les amis. Mais vous allez voir que... Ça va envoyer du lourd tout à l'heure. Donc ici, il donne ki plus 1 et 20% de boost d'attaque aux voyageurs du temps. Donc ça concerne Trunks et Black Goku. Et pour lui, il se donne ki plus 2 et il se donne aussi un boost par rapport à la catégorie forme de vie artificielle. Donc pour l'instant, il tape à 1 million. C'est pas impressionnant. Voilà, on a l'avantage de taper sur le bon type. Donc voilà, il gagne attaque et def plus 100% quand il part en spécial. Donc c'est normal qu'il n'a pas beaucoup de stats de base au niveau de l'attaque et la défense. C'est différent des boosts en early. Mais vous allez voir qu'après, ça devient très intéressant. Bon, pour l'instant, Black Goku il stack tranquillou. Je pense qu'il est assez stacké. Bon, voilà, la rotation. Cette rotation qui fait plaisir. Non, même si on va pas, je pense pas qu'on va le tuer. Je pense pas que ce soit possible de le tuer. On peut le stun ou pas, je sais plus. Non. Il est instunnable. Parce que Mai elle peut stun avec l'attaque SP et avec le son passif. Rosé qui monte à 2 millions grâce à Mai. Rosé il a aussi un côté support. Hein, et je crois qu'il donne 30% pour la classe extrême quand il part en SP. Du coup, Black Goku va se mettre super bien. Non, franchement, la catégorie voyageur du temps, au début, franchement, elle était... Je sais pas ce qu'ils ont. Les développeurs, ils kiffent cette catégorie. Ils n'arrêtent pas de la buffer, en fait. De proposer des nouvelles unités de plus en plus intéressantes, des nouvelles synergies. Voyageur du temps, il y a quasiment toute la catégorie Heroes qui rentre dedans. Hein. Il y a aussi Towa qui rentre dedans. Sombre Towa. Les deux Grid Saiyaman 3 et 4 qui rentrent aussi dans la catégorie. Bah, les Xeno aussi, hein. Les Xeno, Goku, Vegeta. Et... Donc ça, j'avoue que ça concerne beaucoup d'unités. Hein. Ah, on va absorber Hams. Voilà. Et là, on devient Sephiroth. Est-ce que la musique elle change?
Un petit peu quand même. Alors du coup, ici, on n'a plus que briser la limite en commun avec Bojack. Ah. 135 000 Bojack, évidemment, la puissance n'est 30 000 ici, 87 000 en attaque. Donc là, on a qu'est-ce qu'on a ici? On a Ambition de conquête qui proc. Boss, non, je suis pas sûr. Faudrait qu'on se mange quelques patates là. Oh, 2 millions. 2 millions sans l'aspect ultime. Ah. Et là, boss de film va s'activer, je crois. Ah non. Ah non, c'est pas activé. C'est dommage. 1 400 000. Voilà, là ça commence intéressant. Ce qui est un peu dommage, voilà, encore une fois, c'est que j'ai pas les 2000 boosts de stats, mais voilà, t'as une petite idée de ce qu'il a dans le ventre. Et je les sens, donc comme tu as pu voir, j'ai pas de doublon avec. Bon, bah les deux Blagoku se transforment en même temps, c'est parfait. Full transformation les deux, dans les deux rotations. Pas la rotation. Oh, cette rotation qui fait plaisir, les amis. Ah, on va garder l'autre. Full rotation rosée. Oui, mais c'est bien. Soigne-toi parce qu'après tu vas moins tu vas prendre un peu plus cher. Donc là, rosé, enfin Black Goku rosé, il monte à 1 million. Alors, c'est celui de l'ami, il a deux doublons, je crois. Ouais, il a deux doublons. 1 600 000 avec bah, quasiment tous les liens qui sont activés. Hein. C'est-à-dire Super Saiyan, Combat Acharné. Bon, en fait, on lui a fait zéro dégâts là. Ok, d'accord. Bon, on va essayer de perdre un peu de PV, ça serait cool. Ah non. Ah, c'est trop tanky maintenant. C'est beaucoup trop tanky. Black Goku là. Faudrait qu'on perde encore un peu plus de PV là. Ah, mais ça reste comme une spé oufissime. Ah là les amis. Aïe 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 aïe. C'est dommage qu'on n'ait pas boss. Ah, c'est tellement dommage. C'est très très dommage. C'est fortement dommage. Donc là, on a un Telo qui proc. Bon, ça sert à rien ce que je viens de faire là. Ambition de conquête. Ambition de conquête. Et un Telo. Donc là, on a quasiment activé. On a activé 25%. Bojack qui monte à 3 millions. Grâce à la petite maille. Donc là, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Donc il monte à 1 700 000. Le Silas. Il tape aussi fort qu'un Dokkan Fest en fait. La Dokkan Fest. Ouais, je trouve. Ouais, si, si. Dokkan Fest, il tape aussi fort qu'un Dokkan Fest. Ah, on a boss de film qui s'active. Bon, c'est dommage que Mai, on l'aura plus dans la rotation. Ah, à partir du moment, on peut le stun. D'accord. Bah, double stun en plus avec l'auto-attaque. Bon, par contre, faut pas qu'on le tue, les gars. Non, ne le tuons pas trop vite. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les amis. Ah, j'aurais pas dû partir en spéculation avec Gojak. Oh, il a fait trop mal. Alors, Rosé, lui, qui monte à 2 millions. Alors, évidemment, boss de film aussi s'est activé, je crois. Enfin, Big Bad Boss. Allez, encore un tour à tenir. Bouh. Ne clamse pas. Oh, c'est bon, il devrait survivre là. Qu'est-ce qu'il devient encore? Ok. Bojack. Bojack, machine de guerre. Alors. Malheureusement, ici, on n'a pas de boost supplémentaire. Donc là, on a. Boss de film et
Bon, là, je pense que c'est fini. C'est fini. Même si je veux pas le partir en SP ultime, c'est fini. Donc là, 25% plus 15%. Donc voilà, c'est 100 doublons, quasiment pas d'orbe. Il tape aussi fort qu'un Dokkenfest, qui est assez intéressant pour une unité qui a brisé la limite. Il se joue principalement, je trouve, en Voyageur du Temps. Donc 1,4 million et 1,7 million en fonction des supports, etc. Donc voilà, ça reste quand même très très correct pour une unité qui n'a pas de doublon et qui n'a pas brisé la limite. Donc voilà, franchement, surprenant ce petit Silas. Après, voilà, comme j'ai dit, il lui manque son meilleur sauce. Oh, ça aurait été cool d'avoir une unité qui arrive à activer tous ses liens. C'est un peu dommage qu'il débuff que la défense. Ça aurait été cool qu'il fasse autre chose, qu'il augmente ses stats, etc. Après, j'avoue que son point faible, ça reste quand même la défense. Il n'a pas beaucoup de stats de base. Même avec même avec le multiplicateur de son attaque SP, ça reste quand même assez bas. Mais voilà, en attaque, franchement, voilà, il est plus que correct. Bon, sur ce, bah, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Voilà, j'ai invoqué pour la collection, ça me permet aussi de l'avoir. Voilà, parce que vu que c'est bon, une fois les unités Heroes ne sont disponibles pour l'instant que dans leur portail. Donc voilà, maintenant on a toutes les unités, maintenant il faut éveiller les autres unités qui sont sorties du portail Heroes. Sur ce, les amis, passez une très très bonne journée. Comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube, activez les notifications. Et moi, je vous donne rendez-vous ce soir pour la petite séance de stream. Ciao.